Jacques Villeray est au théâtre Fontaine à Paris. Face à lui, la scène et la pièce Geoffrey Bernard est souffrant dans une mise en scène de Jean-Michel Ribes qui joue le soir. Pièce de théâtre prémonitoire. Ce 6 décembre 2000, Jacques Villeray arrive en retard. Il ne dit rien, mais cet acteur si lumineux est en souffrance. Le photographe Hubert Fantôme lui propose une photo où il retrouve le regard de l'enfance. L'acteur se faufile entre deux rangées, se met à genoux et se cache derrière un fauteuil, les mains sur le dossier, la tête dans ses rêves. Après cette photo inattendue, qui en dit long, plébiscitée par le public, le lendemain, très exactement, la représentation est interrompue. Jacques Villeray est conduit à l'hôpital. 5 ans plus tard, il disparaîtra. Sans dire un mot, mais en regardant vers le ciel, Jacques Villeray avait offert à sa manière au photographe une déclaration sur la fragilité de l'existence et le temps qui passe vite, trop vite.